ça, j'espère que ça va bien. C'est Monsieur Robert Chantal. Donc, je continue une série de vidéos que j'ai commencé ce matin sur les conseils familiaux. Ok, je suis infirmier, je suis éducateur aussi. Donc, là, je voulais parler de la chasse. On a appelé ça la chasse à la sorcière. C'est vrai que le matin, on va dire de quoi, quelqu'un qui te lâche pas prise pis qui a une bouche comme ça, c'est pas comme ça que tu vas te faire aimer, hein. C'est pour ça qu'on dit des fois, il y a des conversations pour pas briser la relation entre deux personnes, ok, qui a un lien qui est affectif. Des fois, il y a des conversations qui sont, qu'on dit d'ordre bousculante. Alors, c'est préférable à ce moment-là de faire la mise au point par un garagiste professionnel, ok? Que ce soit dans un couple, ok? Admettons, là, je enregistre, il y a le chaudron, là, puis il y a la cafetière. Donc, admettons, le chaudron, là, il n'est pas tout à fait content de la cafetière, ok? Puis il veut pas y dire parce que s'il dit, il a peur que ça vienne comme briser un peu là, la relation, puis c'est pas, ou c'est pas le temps, c'est pas le temps, il sait pas trop comment s'y prendre non plus, je sais pas trop comment faire pour lui expliquer ça. Donc là, c'est là qu'on dit, ça prend au centre d'une personne qui s'appelle un médiateur. Okay. Le médiateur a un rôle très important. Ça peut coûter un peu de sous, mais ça coûte moins cher qu'une séparation ou une crise. Parce que des fois, il y a des choses qui ont dit, ça me laisse un mauvais souvenir, comme ça, tu peux pas, t'aurais dû te laver les dents, puis t'aurais dû te rincer avec un scope avant de me dire ça, là, parce que, tu sais, c'est comme... je te dirais, quand t'annonces, je suis enceinte, je vais te dire de toi, mais je vais attendre que t'accouches, là. Tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, c'est. Non, je pense que l'exemple est pas bon. Donc, moi, je suis pas médiateur, ok? Moi, dans le rôle du médiateur, où il y a des psychologues qui font ça, ou des psychiatres. Des fois, ça peut être psychiatre, c'est une des deux personnes qui est médicamentée, ok? Ça peut être un psychiatre, un psychologue, un médiateur ou toute une équipe multidisciplinaire, des fois, pour dire quelque chose. OK? Pour pas que ça sente... je sais que c'est moi qui lui dis, là, juste avoir ma face. Puis des fois, c'est chez mes enfants. C'est pour ça que je dis des fois, là, tu sais, comme la maman qui allait, là, des fois, ça me dérange pas pour les artistes peintres, ok? Si t'as besoin de cet angle-là, là, moi, ça me dérange pas. Puis du coup, ben, tu te fais identifier, il n'y a pas de cicatrice. J'ai jamais été opérée au sein, ok? J'ai quelques vergetures parce que j'ai allaité. J'ai déjà eu des très gros seins à l'allaitement. Moi, ça me dérange pas, là, pour un artiste, là. C'est un artiste peint qui veut, c'est pas cet angle-là. Attends un petit peu. Parce qu'il y a un angle, là. Je sais qu'il y a un angle que j'ai besoin, là, pour une peinture, là. Bon. Ok, c'est ça. Puis, du coup, là, je voulais dire, les gens qui ont des petits torts, ok? Faire attention, ok? Là, tu dis, ok, on était en relation juste parce que t'as peur qu'il y avait une caméra dans cet hôtel-là ou t'es allé dans une relation avec un jeune homme homosexuel puis que là, ça nuirait à ta réputation de changement de carrière. Tu veux t'assurer que dans cet hôtel-là, quand t'es allé, t'as amené un jeune homme pour mêler. Tu penses qu'il y avait peut-être une caméra pour mêler. Là, ça on dit la course au petit corps, ok? La chasse au petit corps, ok? Je suis désolée, la chasse au petit corps, dans cette optique-là, c'est un peu différent, effectivement, parce que là, on dit... le choix aussi, là, moi, c'est pour, c'est du dessin qu'on appelle du nu, là, du nu. Bon. Dans cette optique-là, on dit, dans cet angle-là, qu'on s'en dit. Bon, c'est pour, je sais pas si j'ai un artiste peint, là, mais j'ai pas, j'ai d'autres choses à faire, je fais deux affaires en même temps. Trois, parce que j'ai mes piments au riz dans le fourneau, là. Puis j'écoute en même temps, je suis en train d'apprendre une nouvelle chanson. Bon.
que je disais là, c'est que, ok, c'est ça, même le mauvais souvenir, ok, même si le bébé, l'allaitement, là, c'est, ou si tu te lèves la nuit, là, puis, il va s'en souvenir, ok, il va vraiment s'en souvenir, peut-être pas à tout coup, là, mais m'en dis, tu sais, la bouche à maman a pu, ouais, pour le fun, parce qu'on aime ça faire des tests, tu sais, la bouche à maman a pu, ça peut peut-être donner des nausées à l'allaitement, ça peut aller jusqu'à là. Oublie pas de changer de côté, parce que ça, moi, ça me dérange pas, parce que j'ai mes minettes, là, qui sont rendues des mamans, ok? J'ai des minettes qui sont rendues mamans, je suis tuteur, ok? Fait que tu bloques, si tu savais ce que tu bloques, tu vas voir tantôt que ta barrière, là, il va avoir un incendie. Donc, l'allaitement, quand tu changes de côté, tu sais, on va dire coco, tu sais, on va l'appeler caillou, ok? Quand tu allaites caillou, là, tu regardes comme ça, ok? Ou si c'est pas de l'allaitement, c'est ce qu'on appelle au biberon, là. Donc, quand tu changes de côté, oublie pas le rot entre les deux, ok? Il faut vraiment que tu fasses le rot, ok? Puis ça, c'est mieux que ce soit moi qui te dis à la vidéo comme ça. Quand que la belle-mère ou la mère ou la belle-sœur, je sais, je suis infirmière, je travaille à Pouponnière, viens pas me dire ça, là. OK, je suis péricultrice, je suis infirmière à la salle d'accouchement puis à Pouponnière, viens pas me téléphoner, me déranger pour me dire, c'est bien important, Chantal, que tu fasses le rôle, OK, viens pas me diminuer à ce moment-là. Où est-ce que je viens d'accoucher puis que le bébé il a des coliques, ok? Si c'est correct en soi, là, la famille, si tu t'habilles ça? T'as-tu déjà des relations sexuelles avec Guylaine avant? Tu vas lui répondre à la question, ok? Fait pour dire à mes cocottines, ok? Puis les petits enfants aussi ils aiment ça parce que là, pas les mille, là. Micheline, elle n'aime pas tant que ça, mais là, ça, elle commence à comprendre pourquoi c'est long, là. Là, c'était le rôle, là, entre les deux. Ça l'intéresse. Moi, elle dit, ça m'intéresse, là. Elle dit, donne-moi ma tablette à dessin, là, finalement, tu sais. Donc, de l'autre côté, aussi, tu regardes de l'autre côté. C'est la différence aussi, tu nourris à la bouteille, ok? Moi, je vais le faire, je suis infirmière, mais toi, c'est pas ça, ok? Donc, l'enfant va voir les deux côtés. Quand tu allais, si c'est à la bouteille, fais la même chose. N'oublie pas de changer de côté à la bouteille. Puis à mi-boire, quand on dit à mi-boire, c'est calculé. À mi-boire, n'oublie pas, c'est mieux que ce soit Chantal que la belle-mère, effectivement, ou c'est ta job, que je ne vais pas me déranger. OK? Donc, s'il boit, là, tu vas aller voir c'est important d'aller voir dans ton petit livre. Puis, ça pourrait être intéressant de dire, on va, pas là parce qu'il est occupé, là, mais dire par, j'ai des élèves en soins infirmiers ou, dis-moi, j'ai un petit peu, là, faire le tour, dire à quel âge, pas ça dans le livre, ils disent, pas avant 6 mois, hein. Donc, toi, à quel âge tu as mangé, tu sais? Et mais, à quel âge tu as donné à manger?